Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder comment fabriquer les supports de French Click. Des petits supports comme ça, pour tous les outils, bien pratiques à déplacer, à mettre où on veut sur le panneau. C'est super pratique. Si vous n'avez pas vu la première partie de la fabrication du panneau, de la pose du bandeau LED, etc., je vous mets le lien juste en haut de le petit. Vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse et revenir ensuite dans celle-ci. On va également découvrir un nouveau youtubeur dans cette vidéo, comme dans chaque vidéo qu'on collera sur ce panneau. Sans plus attendre, on passe à la réalisation. C'est parti! J'ai fait un petit essai là avec des chutes de planches, donc je pense que ça va prendre assez bien sur les 45. Hein. Si vous voyez bien là, voilà. Donc l'objectif c'est d'aller tailler des bandes comme ça, de les visser par devant contre mon plateau, et puis ensuite de venir faire des supports ici qui viendront se glisser à 45 dedans, et clac, comme ça c'est bloqué, ça bouge plus. Donc vous voyez, avec la planche de 20 là, ça va suffire largement. Enfin, je crois que c'est même du 18. Ça va suffire largement, et encore une fois, ça va permettre de passer les chutes. C'est ce qu'on recherche. Hein. Donc je vais déjà tailler des bandes comme ça, et puis ensuite je viendrai faire des longueurs différentes pour suivant les outils que j'aurai à fixer dessus. L'aménagement se fera petit à petit. On va déjà faire le débit de ces bandes, pré-percer, et puis fixer tout ça au tableau petit à petit. Allez, c'est parti!
moment est venu de faire une petite pause. On va découvrir un youtubeur du jour. Je vais tirer au hasard une enveloppe et on découvrira le youtubeur du jour. Hein ? C'est notre ami Jojo. Jojo Système D. Jojo Système D, une chaîne à découvrir aujourd'hui. Alors Jojo, je l'ai connu grâce à YouTube. C'est quelqu'un de vraiment très très sympa. J'ai dialogué avec lui, c'est quelqu'un qui est toujours très présent dans les commentaires, il aime beaucoup échanger, voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie aussi beaucoup. Donc Jojo, sur sa chaîne, vous allez pouvoir découvrir beaucoup de démonstrations de matériel. Il vous donne son avis sur plein de types de matériel, d'outillage, etc. Généralement, ces démonstrations sont vraiment bien complètes. De A à Z, quand vous ressortez de la vidéo, vous connaissez bien la machine. C'est quelqu'un d'ailleurs qui aime beaucoup la moto. J'ai jamais eu l'occasion d'en parler vraiment avec lui, mais j'ai vu au travers de ses vidéos qu'il aimait beaucoup la moto. Vous allez trouver des tutos de moto, vous allez également trouver des tutos pour restaurer vos phares de voiture. Enfin, c'est quelqu'un qui est assez large aussi de gamme dans le bricolage. Donc voilà, et c'est quelqu'un de très sympa. Il va bricoler aussi un peu le bois, etc. Et voilà. Donc, merci à toi Jojo, tu vas avoir l'honneur de rejoindre mon tableau, le deuxième youtubeur du jour. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à sa chaîne, je vous mets le lien comme d'habitude dans la description de sa chaîne. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Allez. Putain, elle est où cette vis, bordel? Donc on va se refaire les mêmes profils que ça, la même hauteur, la même couple à 45, ce qui permettra de venir les emboîter dans l'autre sens et de se faire des supports. Et c'est parti, on y va. Voilà, donc comme ça j'en ai coupé quelques-uns d'avance dans mes chutes et puis ça me permettra de les couper à la longueur qu'il me faut suivant les supports que j'ai à faire. Et voilà, tac, et là ça va nickel quoi, ça se tient bien, ça bouge pas. Et puis on va pouvoir faire des supports qui vont être pas mal. Dans un premier temps, je vais en couper un pour mon support ciseau à bois que j'avais fixé au mur là-bas, je pense qu'il va être mieux ici. Donc on va se faire un support pour les ciseaux à bois en premier. Allez, c'est parti. Comme vous le constatez, c'est plutôt pratique, c'est plutôt pas mal. Comme vous le savez, ma toupie, elle a un arbre de 30. Et j'ai gardé un vieux bout de manche à balai que j'avais pété pour faire mes supports d'outils. Et je pense que ça va plutôt pas mal aller. Vous voyez, on a légèrement un petit peu de jeu, ce qui fait qu'il coulisse bien dedans. Ça ne va pas trop forcer pour l'enlever. Et puis ça va vraiment me permettre de faire des tiges pour mon arbre de toupie. En diamètre 30, un manche à balai, ça va pas mal. Donc je pense que je vais me faire quelques supports avec ce genre de choses. Allez, c'est parti. Bon les amis, ça tient nickel, hein. On peut appuyer dessus, ça va pas verser. Les outils tiennent bien dedans, hein. Je les fais assez loin pour être sûr qu'ils tombent pas. Malgré ça, je bricole dans l'atelier, on a vite fait ça va accrocher un bout en passant, machin. J'ai mes enfants qui viennent me voir de temps en temps, j'ai voulu rajouter une sécurité supplémentaire.
Donc pour être sûr que vraiment l'outil tombe pas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement percé les trous. Putain, je suis prêt là. J'ai percé des trous dans mes axes. Et puis j'ai foutu des goupilles. J'ai foutu des goupilles comme ça là. Vous voyez, petite goupille qui se referme sur l'arrondi. Et ça permet de rentrer l'axe de la goupille. Tac, on verrouille. Et là, voilà, on est vraiment tranquille. Une fois que l'outil est dedans, même si quelqu'un vient s'accrocher ou si pour X raison ça vient tomber, vous vous ramassez pas les outils plein les pattes. Voilà, c'est une sécurité de plus que je trouve plutôt pas mal. Bon les amis, on va s'en faire un petit dernier là pour la route. Je vais faire un petit rangement pour ranger toutes mes bagues de toupie. Comme ça, j'aurai qu'à les déboîter, prendre ce que je veux, j'y range tout. Je vais me faire un petit support pour les grosses, les fines. Et puis que je puisse mettre aussi le dessus des bagues de l'arbre de toupie. Alors je sais pas si vous voyez là. Là vous voyez dans le dessus de l'arbre, il y a un petit ergo hein, qui vient éviter que cette bague là tourne dans l'arbre. Dans ce que j'ai fait pour l'emboîter, dans mon petit bout de bois là, j'ai simplement fait un petit trait de scie et ça me permet tac de venir le ranger dessus. Une fois qu'il y aura mes bagues, ça tourne pas, ça bouge pas. Comme ça, il rentre bien dedans. C'est pas grand chose, mais ça devrait pas mal aller. Allez, on va se faire la plateforme pour le rangement de ça et c'est parti. Bon les amis, comme vous pouvez le constater, les possibilités sont infinies. Libre cours à votre imagination pour fabriquer tout un tas de supports selon vos besoins, votre outillage, etc. J'en ai même refait quelques-uns entre-temps, lame de scie circulaire, mèche de mortaiseuse, etc. Encore des porte-outils. Et j'agrémenterai ce panneau au fur et à mesure de mes besoins et de mes outils. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous pouvez vous abonner si ça vous intéresse, ce genre de vidéo. Vous pouvez également me laisser un commentaire avec votre avis, vos idées, vos questions, etc. J'adore vous répondre, j'adore échanger avec vous. Ça se passe juste en bas. Vous pouvez également partager cette vidéo afin de rendre service au plus grand nombre. Si ça intéresse les gens autour de vous de fabriquer un French clip, c'est toujours sympa. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Comme d'habitude, je vous mets des petites vidéos, des petites photos des projets en cours, etc. etc. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée, un très bon week-end. Soyez fous, bricolez, et on se rejoint bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye!